connaît tout ça qui a découlé, qui a fait dans le pays, tout rallier d'abord à comment pour nous finir, mettre éteindre, rendre question justice Jovenel Moïse, mettre au second plan, jusqu'à ce que nous oublions ça. Et nous-mêmes, ça que nous certains, nous persuadés, nous déterminés, nous allons jusqu'au bout avec bataille pour Jovenel Moïse, jouer une justice, d'une part. D'autre part, c'est lui-même projeté sur l'ensemble d'assassins que nous remercions, que nous applaudissons, que nous saluons la DCPJ qui retrace un ensemble d'assassins qui fait partie du gouvernement Ariel Henry. Mais que DCPJ dit le fait que M. Sarah ait des postes dans le ministre, le premier ministre, le chargé de mission, le directeur général, ça cause de ne pas mettre de noyau sur liste. Mais là, il n'y a pas chef encore, il va mettre de noyau. Nous trouvons, comme on dit déjà, son scandale. Son scandale, les mouettes, André Michel, et Gétinom Saoui, qui tout dernièrement, il y a fait un blé. Et John Napoléon, papa, nous pas jamais. Nous te demandons pardon, nous ne pouvons pas faire ça encore. Comment est-ce que vous Marvin, Marvin. Ah, c'est nous, nous faisons. Moi-même, personnellement, avec ensemble notre camarade, connaît, si ce n'est pas grâce à les réseaux sociaux, monsieur t'a pris un village de Dieu, même j'ai avec Tilapri, même j'ai un soldat Tilapri. Parce que monsieur te fait partie en gang, lui-même. Marvin fait partie en gang qui te relève sans pression. Premier nègre qui te dit Zamna et qui place de nous, dans Delma 19. Ok? Premier nègre qui te dit Zam dans le groupe là, c'était monsieur. Qui jodia, qui dit fait être passé comme lanceur d'alerte, qui a marché cité dans le monde, mais pour. Ou pèse bouton, il tombe de palais, il tombe à. Qui, dans un moment bien spécifique, prend job mission pour déstabiliser Martin Moïse. Pour déstabiliser, pour faire comprendre que Martin Moïse participait à l'assassinat Jovenel, Badio a cité non Martin Moïse dans l'assassinat Jovenel. Nous dit tout ça, c'est un mouvement qu'a fait, juste pour permettre d'intimider nous-mêmes qui bataille, qui revendiquer justice. Pour Jovenel Moïse, non, qui est capable de créer confusion. Et puis, automatiquement, il créer confusion. Et bien, c'est ça, un mouvement élan que nous avons bataillé pour nous jouer une justice pour Jovenel Moïse. Et bien, nous allons casser élan ça. Et puis, même maintenant, assassin va continuer à circuler, même avec Badjo, jusqu'à ce que, grâce à l'autre bataille, va permettre de découvrir. Ça fait. Deuxième point que nous avons besoin parlementaire, c'est la question de la justice haïtienne. Messieurs, dames, nous avons justice aujourd'hui. Côté, sous seule catégorie de monde qui a droit à la dame. Nous prenons par quel Port-au-Prince, tout le monde connaît, que aujourd'hui, en dehors par quel Port-au-Prince, il y a un bureau qui est le Elder. Elder et Guillaume, c'est un bureau, c'est un bureau très connu qui est en dehors. Il y a tellement de forces, tellement de bœufs en dehors, qu'il y a eu un de la gueule en deux paquets. Les citoyens qui ont pensé que c'est bœuf, qu'il y a le marat avec eux, il marat les citoyens, ou les citoyens qui ont force pour vous bœuf là, à Boua, ou qui s'est passé. Mais ça paraît là, il y a plus de bagages qui ont passé au niveau de la justice. Ça qui a passé dans la justice, hein, nous avons plusieurs dossiers, parmi lesquels vos dossiers. Bato El Shaddai. Bato El Shaddai qui gagne M. Ronald Lubin, que nous-mêmes nous reconnaissons. M. Ronald Vini contacte nous comme organisation de défense des droits humains, comme monde Kaboumé, que nous estimons qu'il y a fait abus. Maintenant, nous constituons le cabinet d'avocats, nous gardons aussi avec l'avocat. Nous, effectivement, il y a fait Ronald Lubin. Propriétaire bateau El Shaddai, injustice. Maintenant, nous aussi, prenons dossier ça. Sous
demande nous du travail sur. Tout le monde connaît l'ordre du tribunal de référé. Référé, ça veut dire affaire urgente. Référé veut dire immédiat. Référé veut dire bon bagage qui pas attendre. Voilà que nous relais l'État devant la justice par rapport avec question bateau diaspora. Parce que pour qui ça nous dit de te relais l'État devant la justice. C'est Ronald lui-même qui estimait bon groupe d'aide dans le gouvernement qui vient prendre un colis dans le bateau. Et puis l'estimait le colis ça y est. Sur ce, il est petit boîte, mais il y a 4-5 d'aide de main pour lever le colis. Et puis là, il a attiré l'attention à la douanière. Il dit, je ne comprends pas. Comment vous avez appelé un vieux petit boîte léger comme ça? Et puis, nous, c'est deux trois d'aide qui prennent. Il demandait à Jean Gardin, regardez ça, ça y est. C'est là ça, agent douanier après le découvrir, c'est munitions, ZAM, Kennedy Obote. C'est lui qui est. Maintenant, je dis, la justice a une ordonnance. Il a blanchi les gens qui étaient portés matériel et munitions, ZAM, il a blanchi parce qu'il y a une relation. Pourtant, le douanier criminel civil de Port-au-Prince qui se met bien dans ses villes, prouvez lui-même, pendant 2 mois, il tendait une affaire. Le doyen refusait de rendre ordonnance parce que le grenier qui déjà prend un bateau. Le grenier, le gilbert qui ça qui déjà prend un bateau. Le fait que le grenier patron, Ariel Lagueton, prend un bateau et a fait affaire, le doyen bloqué avec ordonnance. Le doyen refusait de rendre ordonnance pour que nous soyons capables de récupérer le bateau. Ça veut dire justice, son justice, tête en bas. Son justice côté, où il y a un ensemble de gens qui sont dans la diaspora. Ils prennent des cailloux, ils volent des cailloux, les bandits examinent, ils prennent des cailloux, ils nous portons dossier à tribunal. Nous avons procès à nous. Doyen refusé. Parquet refusé par exécutif pour les gens capables de récupérer bien. Alors que même parquet, pardon, l'a utilisé de jugement T. Jocelyne, l'a pas exécuté pour des justices, pour des jugements T. Jocelyne, pour des ordonnances côté qui n'a pas préparé aucun côté, mais pourtant, mon avocat qui prend le soin, qui traite le dossier de fond en compte, qui prend le temps qu'il faut, 1 an, 2 ans après le procès, nous finissons le procès à Poumounio. Et puis, il n'y a pas de récupérer le caillou. C'est ça qui va être le problème. C'est comme si, ou à l'étranger, ou bien caillou fermé, et puis, il y a des gens qui viennent de guerre. Ils viennent de guerre, ou payer un peu locatif. Ils font tout le bagaille, pourtant, pas qu'ils refusent que diaspora ça récupère le caillou. Nous pensons que c'est des bagailles, en pile, monde qui pour des bagailles banales. Mais non, on dit bien. C'est plus gros scandale, c'est plus gros scandale. C'est plus gros problème lorsque la justice. On est de monde, c'est gagné, et puis la collaborer avec eux pour déposséder une série de monde de bien qu'elle est. Ça passe dans Miragouane, ça passe dans Pétionville, ça passe là dans Delma, ça passe dans tout le pays. Et c'est pour ça matin, nous faisons conférence pour nous dénoncer le, ça nous est capable de dysfonctionnement justice là en faveur de monde des justiciables qui méritent justice, qui méritent la raison, y a des raisons, justice une tranche en faveur, et puis. Parquet a refusé par nous exécutif, ou bien doyen, ou a gardé Gedo Moun, ou plaide une ordonnance la caille devant doyen, sous 2 jours, Moun sa gete joué une ordonnance. Alors que Gedo Moun qui a 1 an, 2 ans, il n'a pas jamais une ordonnance pour nous. Et depuis Moun qui a 1 an, 2 ans, il n'a pas jamais une ordonnance, ou mettre Moun c'est des vraies propriétés qui ont bien, et puis qu'on a une sorte de connivence, Moun qui a volé de une bonne relation. Et bien, il prend justice en otage pour ne pas jamais une ordonnance jusqu'à ce que Kaila finisse de construire. Ça veut dire, il prend 1 an, il a construit Kaila, il ne va pas jamais une ordonnance. Ou bien, il ne va pas jamais exécuter pour aller exécuter contre Mounsao. Et laisse à Mounsao qui est à l'étranger. Tout le monde a souci de gaz pour ne pas les dévoiler. Ça, c'est une autre forme des aigles d'eau, c'est une autre forme de kidnapping, c'est une autre forme côté une pensée société a doué dire un mot là-dedans. Et c'est pour ça, matin, hein, nous disons, 1, dénoncer persécution, Martin Moïse a subi parce qu'il a pris des justices, il a fait des marches au niveau international pour gagner justice, Marie-Joine justice.
Et puis, il y a des gens qui sont impliqués dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Après tout ça, ils sont capables de permettre de faire Martine Koury. Et puis, il y a pour procès Jovenel la passer comme il est dans la poste, d'une part. Et d'autre part, dénoncer le parquet et la justice qui refusaient d'accompagner ensemble de gens dans la diaspora qui ont volé bien, qui ont mandaté des gens pour aider devant la justice haïtienne. Et la justice haïtienne fait parti, mettez, fait solidarité avec les gens qui ont déposé des gens de bien au lieu de rendre justice à les gens qui méritent justice. Heureusement, ça fait longtemps que nous ne sommes pas des gens. Ça va dire des gens qui ont carré, qui ont. Est-ce qu'on a des bons gens frères qui Morvan sont assassins, qui sont dans gang sans pression dans Delma 19? Oui, Morvan fait partie de gang. Nous avons mené une enquête dans Delma 19 que tout le monde connaît. Gang est sans pression. Et les gens qu'on a battu sorti, laisse à village de Djibat pour salir. Les Morvan, dans Delma 19, Morvan comme ça n'a pas parlé de Fotokom. Pat Kogé Bogan, Morvan te gagne contact dans Delma 33, sous commissariat Delma 33. Laisse à tout le monde penser que Morvan c'était policité. C'est les Allemands qui ont vu connaître Morvan pas de police. Pour nous, nos gangs ont été sans pression. Mande Morvan, c'est pas fait partie de nous. En dedans Delma 19, et seul monde qui a été zam dans gang. C'était Morvan qui était un homme. Pas oublier que le paquet de l'église aujourd'hui, qui a la police a arrêté dans l'aéroport international, l'aéroport Maïgaté. Il y a des gens qui allaient aujourd'hui, si vous ne connaissez pas comment vous venez, vous allez chercher à faire ça plus facile. Là, fait, si vous êtes habitué dans la communication, vous allez faire être passé pour des lanceurs d'alerte. Mais, même gens, avec Morvan aujourd'hui, qui fait être passé pour lanceurs d'alerte. Morvan, c'est un chef de gang, ou ancien chef de gang, que malheureusement, qui a été complicité avec une série de policiers dans Delma, dans le commissariat Delma 33. Laisse à moun dans la communauté à te penser, Morvan, c'est un chef de gang. C'est par la suite, il peut y avoir une altercation entre une série de camarades Carrefour qui étaient conformes dans Delma 19. Qui te Morvan tape pas la femme dans tout. Morvan dit femme ça va. N'est dès que pas casse de cafou, vive bien la femme dans le quartier côté là. Morvan laisse ça, prendra les armes, libéral couper caoutchouc et les jeunes gens ça, n'est ça, fait n'est que dormir dans le quartier là. Si femme n'a pas l'obligé de boiter, quitter zone par rapport avec Morvan. Et laisse ça, qui moyen, qui ça Morvan s'est utilisé. C'était slogan, il y aurait les sans pression. Et sans pression, après tout transformer en un gang dans Delma 19. Morvan, c'est un chef de gang et ce n'est pas seulement qu'on connaît, en pile monde connaît. Cependant, en Haïti, il y a des bagages qu'on connaît, qu'on connaît, qu'on cache, qu'on accepte. Et c'est ça qu'il faut qu'on voit. On va venir éviter l'homme, on va venir éviter la pluie, on va venir.